بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours spécial de Ramadan, cours qui va nous parler du Coran, qui va nous parler de comment lire convenablement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est prévu dans ce cours, c'est de lire le dernier chapitre du Coran Al-Hizbul Akhir, c'est-à-dire de la sourate Al-A'la et la sourate An-Nas. Donc nous allons partager ce Hizb en quatre robot. Et le premier robot qui commence de la sourate Al-A'la jusqu'à la fin de la sourate Al-Fajr. Donc c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Et le programme va se dérouler ainsi. En premier lieu, nous allons parler de Awjuhul Bad'i bil Qira'a. Donc un peu de notion sur le tajwid, les quatre manières pour commencer la lecture du Coran. Et ensuite, nous allons lire ce robot. Et enfin, nous allons libérer l'antenne pour que vous lisiez vous aussi ce robot. Et nous allons corriger, Inch'Allah Ta'ala. Pour commencer la lecture du Coran, il y a quatre manières. La première, c'est ce qu'on appelle Faslul Jami. Faslul Jami, c'est le fait de séparer l'isti'ada de la basmala et séparer de la basmala du début de la sourate. L'isti'ada, c'est quoi? C'est le fait de dire A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ce qu'on appelle l'isti'ada. Et la basmala est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, le début de la sourate. Donc quand je dis A'udhu billahi minash shaitani rajim et que je marque une pause, ensuite, Bismillahirrahmanirrahim. Une pause. Sabbih isma rabbikal a'la. Là, ça devient Faslul Jami. Donc, j'ai séparé les trois. Deuxième type, c'est Waslul Jami. Donc, c'est le contraire du premier. C'est le fait de lier les trois. Le fait de lier les trois, lier l'isti'ada à la basmala, lire la basmala aussi du début de la sourate. Dire ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Là, j'ai lié les trois. Donc, c'est ce qu'on appelle waslu al-jami, qui est aussi autorisé. Le troisième type est le fait d'isoler l'isti'ada. Donc, lire l'isti'ada et marquer une pause. Ensuite, lire la basmala du début de la sourate. Comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Donc, j'ai isolé l'isti'ada. Ensuite, j'ai lié la basmala du début de la sourate. Troisième type. Quatrième type est le fait d'isoler le début de la sourate. De lier l'isti'ada à la basmala. Ensuite, marquer une pause. Lire ensuite le début de la sourate. Comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Ce sont là les quatre types pour débuter la lecture du Coran. Le plus courant et le plus facile reste le premier, c'est-à-dire le fait d'isoler chacun, dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Donc là, j'isole
chaque partie. Donc, l'istiada, après l'istiada, il y a une pause. Après la basmala, il y a une pause. Ensuite, je viens au début de la sourate. Donc, c'était la règle de ce matin. Ah, ça, c'était la première partie. Maintenant, nous venons à la deuxième partie qui consiste à lire ce premier robot. Vous allez donc écouter attentivement la lecture, pardon. Vous allez écouter attentivement la lecture, ensuite à revenir lire aussi à votre tour. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous accorder de la baraka dans cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Voilà, c'est la deuxième partie, donc la lecture du robot du Sabbih Isma Rabbika al-A'la jusqu'à la fin de Surat al-Fajr. Maintenant, c'est vous qui allez lire, donc vous allez nous appeler à travers le 623 62 62 63 ou le 655 55 10 55 ou le 669 88 46 46. Quand vous appelez, vous allez lire. On va vous dire de lire et quand vous faites des erreurs, soyez attentifs. Dès que vous faites des erreurs, on va vous signaler et corriger l'erreur, inshallah ta'ala. Et vous n'allez pas lire le tout, vous allez lire juste une partie. Et la suite, le deuxième qui va appeler va aussi continuer là où le premier s'est limité. C'est comme ça que nous allons lire jusqu'à la fin de l'émission. 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669. 88 46 46. Je rappelle que vous êtes dans votre émission spéciale Ramadan et qui est consacrée aujourd'hui du cours de Tajwid, donc la lecture du Coran avec les règles du Tajwid, comment lire convenablement le Coran. Et nous sommes avec trois chapitres, c'est-à-dire la sourate Al-A'la, la sourate Al-Ghashiyah et la sourate Al-Fajr. Donc nous avons lu du début de Al-A'la jusqu'à la fin de Fajr avec les règles, et vous aussi, vous allez nous appeler pour lire, et nous allons corriger, bi'idhnillahi ta'ala. Je rappelle que le cours de Tajwid était consacré sur Awjuhul Bad'i Bil-Qira'a, donc les quatre manières pour commencer la lecture du Coran, et nous les avons citées. On dit que la première manière, c'est de séparer l'isti'adha de la basmala, et de séparer aussi la basmala du début de la sourate que nous avons appliqué. Le deuxième type, c'est waslul jami, c'est le fait de lire les trois. Donc, l'isti'adha à la basmala, ensuite au début de la sourate. La troisième manière, c'est le fait d'isoler le premier. Donc, lire l'isti'adha, marquer une pause, ensuite revenir pour lire la basmala avec le début de la sourate. La quatrième manière, c'est de lier l'isti'adha à la basmala et marquer une pause, ensuite commencer le début de la sourate. Donc, ce sont les quatre manières pour commencer la lecture du Coran. Elles sont toutes valables. Alors, vous allez appeler à travers le 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Si vous voulez lire et qu'on corrige, je rappelle que ce sont les trois chapitres, Sabbih Isma Rabbika al-A'la, avec la sourate Al-Ghashiyah et Fajr. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. Bienvenue, votre nom, vous nous appelez d'où? Soumamadou Malal, vous nous appelez d'où? Depuis Antanor. Allez-y, vous voulez lire? Donc, vous commencez du début de A'la. Allez-y. بسم الله الرحمن الرحيم رحيم voilà faites sortir le hi sabbihis voilà le ra ici est lu avec emphatique donc on dit ro on dit pas ra ro Voilà, vous voulez commencer. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma ro, on dit pas ra. Oui. Voilà, surtout ne marquez pas de pause après walladhi. Dites walladhi qaddara. Walladhi
Voilà, vous voulez commencer. Walladhi qaddara fahada. Voilà, ne faites pas la nasilation runna au niveau de an. Ne dites pas rutha an ahwa. Rutha an ahwa. Surtout ne marquez pas la pause aussi. Faja'alahu rutha an ahwa. Faja'alahu. Ne dites pas an, an ahwa, an ahwa. Faja'alahu. Faja'alahu jusqu'à présent. Faja'alahu gutha an ahwa. Sanu qori u. Ici c'est Hamza. Sanu qori u kafala tansa. Reprenez. Voilà, vous faites ce qu'on appelle la runna au niveau de tansa. Fala tansa. Voilà, il est parti, Mamadou Maladou, qui nous a appelé de Anta. Faites comme lui. Et je pense qu'il y a un autre auditeur aussi au bout de la ligne. Assalamu alaikum. Wa barakallahu fikum. Quel est votre nom? Mohamed Amin Diak. Mohamed Amin Diakité, vous nous appelez de Somfonia. Hein? D'accord, vous allez continuer. Sanon Kore ou Kafala Tansa. Voilà, vous faites la runna au niveau de innahu. Voilà, surtout ne dites pas jaha. Jaha, c'est jahra. Ici, le ha porte sukun et non fatha. Innahu ya'lamul jahra. Jahra. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa yakhfa. Oui, allez-y. Wa nuyassiruka. Surtout ne dites pas shi, c'est sin. Wa nuyassiruka. Voilà, c'est pas shin, c'est plutôt sin. Wanu yassi, wanu yassiruka. C'est pas shin jusqu'à présent. Wanu yassi, si, dites si. D'accord, c'est mieux. Voilà, vous pouvez ouvrir le Coran. Hein? Fadek. Kir innafa. Voilà. Innafa'ati. Innafa'ati. Allez-y. Fadakir innafa'ati. Innafa'ati. Allez-y. Aïwa. Maintenant, reprenez Fadakir. Inna fa'ati dhikra. Voilà,
ويتجنب. Ici, le ba porte Dhamma. Ashqa. Ici, c'est Shin. Ashqa. Aïwa. ويتجنب هل. الذي يصلى النار. نون ici porte شدة. يصلى النار الكبرى. أيوة. Voilà, vous faites ce qu'on appelle la runa sur mim, mim mushaddada. ثم لا يموت. نعم. D'accord, vous marquez la pause là, vous limitez là. Merci à vous, Monsieur Mohamed Amin Diakité, du côté de Symphonia. On prend un autre auditeur, 623-72-63. Salam alaikum. Voilà, 655-55-10-55. Vous pouvez appeler et rester en attente. Voilà, c'est mieux. Comme ça, dès que l'un finit, l'autre va enchaîner directement. Donc, vous appelez, vous restez en attente avec le technicien 623-72-63, 655-55-10-55, 669. 88-46-46. Je rappelle que vous êtes dans votre émission spéciale Ramadan. Assalamu alaikum. Bienvenue, votre nom, vous nous appelez d'où? Alfomar Niabadi depuis Wanizara. Allez-y, Alfomar, vous allez continuer. Qad aflaha man tazakka. Voilà, surtout ne dites pas A'udhu Billah, mais plutôt A'udhu Billah. Voilà, là aussi, ce n'est pas Bismillah, mais plutôt Bismillah. Qad aflaha. Qad aflaha. قد أفلح قد أفلح ولا نديت با قد أفلح لح قد أفلح قد أفلح من تزكى ولا نتيق با لولا ونديت با قد أفلح مي بلوتو قد أفلح لح. Voilà, et pas qad aflah, mais plutôt qad aflaha. Aflaha. Wadakaros marabbihi. Voilà, surtout pas mo, mais plutôt ma. Wadakaros ma. Voilà, dans la version Hafs, on dit bal tu'thiruna, on lit la hamza qui est là, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Voilà. Voilà, wal akhiratu khayrun wa rum wa abqa. خير وأبقى وأبقى والآخرة خير وأبقى صحفي
Merci à vous, Alfomar, qui nous appelez depuis Wanindara. Salam alaikum. Bienvenue, votre nom, vous nous appelez d'où? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Quel est votre nom? Jallo Aboubakri Bella, vous nous appelez d'où? Koya, allez-y, vous allez lire le début de Surat Al-Ghashiya. Allez-y. Rachia, Rachia. À la fin de Rachia, il y a ta marbouta qu'on transforme en ha. Voilà. Aïwa. Rachia. Wujuhun. 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 Non, allez-y. Voilà, faites entrer le ya. Wujuhuya. 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 Faites le idgham qui est là. Wujuhuya. Faites entrer le ya directement. Nasibah. Aïwa. Voilà, faites entrer le ya, wujuhuya. Faites la runa, wujuhuya yawma idhin na'imah. Hasbuk, barakallahu fik, Jalla Bakri Bella qui nous a appelé de Koya. Nous allons continuer avec un autre. Merci et portez-vous bien. 623-62-62-63-655-55-10-55-669-88-46-46. Vous allez appeler pour lire convenablement le Coran. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ibrahim Diallo depuis Kouza. Vous allez continuer. Wujuhun yawma idhin na'ima. Il est parti. Voilà. Revenez, revenez. 623-62-62-63-655-55-10-55. Assalamu alaikum. Bienvenue, votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur Diallo Madouha depuis Kobaya, d'accord. Vous allez continuer. Ok, Mamadou Yaya. Depuis Kobaya, vous allez continuer. Wujuhun yawma idhin na'ima. Fi jannatin aliyah, aliyah.
L'aria. Jaria. وإلى الجبال. لست Allez-y. Il. Voilà, ne faites pas ta frime au niveau de la runa. Illa manta. Dites pas manta. Manta. Illa manta walla wa kafar. Surtout pas man. فيعذبه الله. Ici c'est الله et non la. Allez-y. Voilà, vous faites la prolongation. Inna ilayna iyabahum. Vous tirez un peu. Merci Hasbouk, barakallahu fik, cher Mohamed Yahya, qui nous appelait de Kobaya. Faites comme lui, 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Vous appelez, vous lisez la sourate qui suit, qui est Al-Fajr, et nous allons corriger. Assalamu alaikum. Bienvenue, votre nom, vous nous appelez d'où? Ahmad. Oui. Ahmad Soudi Imbaya, vous commencez la sourate Al-Fajr. Oui. Voilà, au niveau de Yasr, le ra qui est au niveau de Yasr, qui est muraqqaqa. Le ra qui est au niveau de Yasr ne doit pas être lu avec emphase. On dit Yasr, Yasr, son asl c'est Wallayli da Yasri. Donc on a levé le ya, donc on maintient al asl, al tarqiq, Wallayli da Yasr.
حسبك شيخنا أحمد سوليم بيا بارك الله فيك. قراءة جميلة, ta lecture elle est très belle. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en bien et qu'il nous facilite à tous. Vraiment c'est bien, donc du courage. 623 62 62 63 655 55 569 88 46 46. Salam alaikum. Salam alaikum. Bienvenue, votre nom rapidement, vous nous appelez d'où? Alpha ou marin? Voilà. Vous continuez. Fa ammal insanu idha mabtalahu. Voilà, taha, taha. Kalla. Kalla. Ne dites pas kalla. Kalla. Voilà, vous allez faire la liaison. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. MashaAllah, Bourik, Cheikh Nalfoumar Diallo, qui nous a appelé de Matoto. Avec vous, d'ailleurs, nous marquons la pause finale de cette émission. Donc, mise en onde ici à Conakry, Madou Salou Diallo, côté Kindia Oumar Kondé. Nous accompagnons du côté de Pitasila Abdoulaye à Kouchano Madiba, sans oublier notre service de programme qui est du côté de Tougué, avec Boubacar Baldé. Et nous accompagnons côté Facebook, Mamadou Yassine. Était avec vous ici au micro, votre frère Diallo Abdou Karim. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, le jeudi prochain à 9h pour continuer ce cours de tajwid durant le mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.